Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, on vous parle de quoi? Qu'est-ce que tu dois faire quand ta copine, ta femme s'éloigne de toi? Ou bien une femme en général. Quand elle s'éloigne de toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois rien faire. Tu comprends un peu? Comment tu dois rien faire. Quand une femme s'éloigne de toi, tu dois rien faire. Tu seras en relation avec une femme. Tu seras en train de draguer une femme. Elle t'a montré de l'intérêt. À un moment, elle va commencer à s'éloigner. Ce que tu dois faire, tu ne dois rien faire. Parce que comprenez que les femmes sont très joueuses. Comprenez ça. Les femmes sont comme les chats. Et comprends que le chat, là, il n'est pas comme le chien. Le chien, plus tu le caresses, plus il reste à côté de toi. Le chat, quand tu commences à le chercher, lui, il fuit. Quand tu t'en fous de lui, il vient. Tu comprends un peu? Donc c'est comme ça que les femmes font. Mais comprends que l'éloignement d'une femme, les demandes de rupture, souvent c'est des tests. Souvent c'est des tests pour voir de quoi tu es fait. Parce qu'une femme va sortir avec toi pendant un moment et un moment elle va commencer à s'éloigner de toi. Inconsciemment, instinctivement, sans faire exprès, pour voir si tu es toujours l'homme. Tu dois lui montrer que tu es toujours l'homme. Et tu n'en as rien à foutre. Elle s'éloigne de toi. Le moment où une femme s'éloigne de toi de 10 mètres, tu t'éloignes d'elle de 10 000 km. C'est là qu'elle commence à revenir. Le moment où une femme s'éloigne de toi et tu lui demandes, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Elle commence à se dire, non, lui là, il n'est pas assez, comment on appelle ça? Il n'est pas assez sûr de lui. Elle pense que tu n'es pas sûr de toi. Tu comprends un peu? Et la femme, quand elle commence à s'éloigner de toi, ce que tu dois faire, tu dois parler à d'autres coups. Quand une femme commence à s'éloigner de toi, tu dois parler à d'autres femmes. Quand une femme commence à s'éloigner de toi, tu dois commencer à te saper, à acheter un nouveau parfum pour mettre sur toi et sortir, te demander, tu vas où? Tu dis, non, je sors. Elle ne doit pas savoir où tu t'en vas, tu sors seulement. Elle va comprendre que, en bon, donc quelqu'un veut prendre mon mari, elle va commencer à redevenir normal. Mais quand elle redevient normal, toi reste toujours anormal. Toi reste toujours anormal. Parce que la femme, quand elle commence à faire ces choses, et quand elle redevient normal, elle veut automatiquement que toi, tu redeviennes normal. Non. Tu as commencé, terminons. Tu commences et termines pour toi. Et si elle s'éloigne de toi pendant 3 jours, tu la laisses comme pendant 3 semaines. Vous n'avez pas le cœur. Tu parles avec une femme. Tu comprends un peu? Tu parles avec une femme. Au début, tout va bien. À un moment, la femme va te laisser en vue pendant 1 jour, 2 jours pour voir de quoi tu es fait. C'est ça qu'on appelle les tests, les shit tests, pour voir de quoi tu es fait. Pour voir si tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que tu t'es éloigné de moi? Ou bien est-ce que tu vas t'en foutre? Et quand tu t'en fous, la femme revient les 2 jours après et elle va te sortir une excuse bidon pour te dire non, il y avait le mariage de ma tante, tu étais tellement occupé et tout. Tu ouvres son message, écoutez bien, c'est ce que tu dois textuellement faire. D'habitude là, tu dois prendre le temps pour pouvoir réfléchir à la situation. Ce qu'elle te dit là, c'est ce que tu dois faire bien. Quand la femme te laisse en vue 1 jour, 2 jours, et elle vient te donner une esquibison, que chérie, elle va venir de manière subtile. Elle va venir de manière douce, comme si elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Tu comprends un peu? Et quand la femme va revenir à toi, ce que tu dois faire, elle va te dire non, il était pas répondu parce que, ah, il était occupé. Mais elle va te dire, ça fait un bail, hein. Tu me calcules même pas, ça fait un moment, hein. Pourtant, elle sait que c'est elle qui t'a ignoré. Tu comprends un peu? Elle va t'envoyer une excuse. J'étais au mariage de ma tante, il y avait plein de trucs. À cause de ça, elle n'est pas répondu. Quand elle va t'envoyer ce message-là, ouvre le message, lis le message et ne réponds plus. C'est ce que tu dois textuellement faire. Et quand tu ne vas pas répondre, écoute bien, c'est la situation réelle. Quand tu ne vas pas répondre à son message pendant 1 jour, si elle a fait 1 jour ou 2 jours, tu ne vas pas répondre pendant 1 jour ou 2 jours. Quand les 2 jours arrivent là, ce n'est pas toi qui lui envoie des messages pour lui dire non, lui sortir une excuse bidon comme elle t'a sorti la dernière fois. Tu ne t'excuses de rien, tu es un homme. Tu comprends un peu? Tu ne t'excuses de rien, tu es un homme. Si après 2 jours, elle ne t'envoie pas un message elle-même encore pour te dire que mais pourquoi tu ne me réponds pas? Parce que c'est la femme qui doit faire ça. Pour te dire pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Tu comprends un peu? Elle ne t'envoie pas ce genre de message là. Toi, tu ne lui envoies pas des messages les 2 jours après. Tu ne fais pas ça. Tant qu'elle ne te renvoie, elle t'a envoyé un message, tu l'as laissé en vue, non? C'est comme ça que tu dois, elle doit renvoyer un message encore. Et tiens-toi bien, elle va t'envoyer un deuxième message pour te dire, tu n'as pas vu mes messages. Quand tu prends le téléphone, tu ouvres le téléphone, tu regardes le message où elle dit, tu n'as pas vu mes messages, tu regardes, tu lis bien, tu laisses en vue encore.
Tu veux rien comprendre? Non, ici c'est la grosse couille. Ici c'est la grosse couille, c'est pas pour les petites couilles. Tu laisses le message en feu encore. Et dans cette période-là, la femme commence à rentrer dans ses émotions, elle commence à se dire, lui-là il se prend pour qui? Elle a oublié qu'elle-même s'est prise pour quelqu'un qu'elle t'a laissé en vue. C'est là le respect naît. C'est là la femme commence à te respecter. C'est là la femme commence à comprendre que non, lui là, il n'est pas comme les autres garçons. J'ai rencontré beaucoup de garçons, mais jamais on m'avait fait ce genre de choses là. Et elle commence à te respecter. Mais la deuxième fois quand tu vas faire, la femme ne va plus t'envoyer des messages. Tiens-toi bien. C'est la cour des grands, la ligue des champions, on pleut pas. Tu comprends un peu? La femme, après le deuxième message que tu l'as laissé en vue, elle ne va plus t'envoyer des messages. Pendant 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Si tu n'envoies pas de message, elle ne va pas t'envoyer de message. Mais ne sois pas un bêta. Parce que le bêta, quand ça fait 1 semaine, 2 semaines, elle n'envoie pas de message, il a tendance à penser, je suis en train de la perdre. Non, tu n'es pas en train de la perdre, tu es en train de la gagner. 1 semaine, 2 semaines, tu n'envoies, elle n'envoie pas de message, tu ne réponds pas. 3 semaines, elle n'envoie pas de message, tu n'envoies pas de message. 1 mois, elle n'envoie pas de message, tu n'envoies pas de message. Après ça, elle va envoyer un message. Après ça, si ça fait 1 mois, 2 mois, elle va envoyer un message. C'est là que tu commences à parler à elle. Et quand tu as commencé à parler à elle, parle-lui doucement. Ne lui dis pas. Ne lui dis pas que non, c'est parce que tu m'as fait. Non, ne lui dis pas ça. Ne lui dis pas non. Dis-lui que non, j'étais simplement occupé. Sors-lui une excuse bidon. Comme sa tante était au mariage. Dis-lui aussi que tu étais en train de préparer l'anniversaire de ta grand-mère. Tu comprends un peu? Foutez-vous d'elle. Deux fois plus, comme elle se fout de toi, c'est comme ça qu'elle commence à te respecter. Tu comprends un peu? Quand une femme commence à faire ça, il faut lui montrer que tu es un garçon. Et c'est là qu'elle vous dit, il ne faut pas avoir peur de perdre une femme. Tu ne peux pas perdre une femme quand tu fais ce genre de choses-là. C'est vrai, c'est difficile à croire. C'est vrai, c'est contre-intuitif. Mais la femme respecte ce genre de caractère-là. Et vous ne faites pas bien. Elle te laisse en vue un jour, tu la laisses en vue un jour après, tu commences à parler. Non, tu la laisses en vue plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. Elle te laisse une période de temps. Tu comprends un peu? Elle va te laisser une période de temps. Après cette période de temps, elle va t'envoyer un message encore. Quand ses ardeurs se sont calmées, tu lui parles tranquillement. Elle va plus te laisser en vue encore. Elle va plus te laisser en vue. Parce que vous ne savez pas punir les femmes. La femme là, il faut savoir comment tu la punis. Quand tu punis la femme de manière légère, elle pense que tu rigoles, elle refait. Quand il a puni de manière sévère, elle comprend que non, lui, on ne fait pas ça. Et c'est dans ce genre de situation, je vous ai dit, non, il y a une de mes petites, il est vu là, d'un fois, il était en train de conduire. Il est vu, on s'était déjà vu une première fois. Et on s'est parlé, elle a pris mon numéro, je l'ai déposé chez elle. Tout ça, elle m'a dit, ah, toi, voici mon numéro. Je lui ai envoyé un message. Elle lui a dit, bon, dimanche, on se voit. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, dimanche, on se voit. Et le dimanche, je l'ai appelé, elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message que bébé, ah, il t'a appelé, peut-être que tu es occupé. Elle m'a envoyé un message pour me dire que non. À 1 heure ou 2 heures de temps après, elle me dit que ouais, elle était occupée, tout ça. Elle fait comme si elle ne sait pas qu'aujourd'hui, dimanche, on doit se voir. Nos limites aussi, elle ne sait pas qu'elle fait vidéo. Donc, nos limites aussi, il la laisse en vue aussi. Ces 3 semaines, elle en vue. Hein. Ces 3 semaines, dernièrement, là, elle vient, elle regardait pas elle regardait mes stories en mode, on ne sait pas qu'elle regarde. Dernièrement, elle a activé les stories pour qu'elle voit qu'elle regarde. Ses yeux vont se laisser. Claire. Ses yeux vont se fatiguer. Elle va parler. Et si elle ne parle pas, je m'en fous. La semaine passée, elle a pris le numéro d'une autre fille. Simplement. Vous n'êtes pas tranchant, les gars. Soyez tranchant. N'ayez pas peur de perdre une femme. Et vous comprenez, je vous ai dit ça. Quand une femme s'éloigne, tu t'éloignes. Que ce qu'elle fait, elle te sert ça pour 10 francs. Tu lui sers ça pour 17 000 francs. Elle va comprendre. Une femme s'éloigne, tu ne lui demandes pas pourquoi. Une femme s'éloigne, tu la remplaces. Une femme s'éloigne, tu cherches à faire d'autres choses. Va jouer au football, va te promener, va faire quelque chose. Tu vas rencontrer une autre femme qui va la remplacer. C'est le fond qui manque le moins. Clairement. Faut bien mettre ça dans ta tête. Femme là, c'est le fond qui manque le moins. N'oubliez pas de liker ma vidéo. N'oubliez pas de prendre ma formation. Mes livres dans la description. Je vous aime les gars. Tom.